Bonsoir Didier, Bonsoir. félicitations pour la victoire. Merci. On va commencer par le côté positif. Randall, titulaire, doublé, celui-là on peut dire que vous le soutenez. Il y a un peu de fierté quand même ce soir. Pour lui, je suis content pour lui. Après, il le rend bien avec ce qu'il fait sur le terrain. Mais Randall est très performant avec nous. Il est en pleine confiance. Le premier match lui avait fait du bien aussi. Voilà, il a cette capacité de pouvoir aller sur la profondeur. Il a été même plutôt bon aujourd'hui, dos au but, et puis un très bon jeu de tête. Voilà, il marque 2 buts, tant mieux pour lui, pour l'équipe de France. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui qui, quand il a à être sur le terrain, même si c'est à rentrer 20 minutes, voilà, il se passe toujours quelque chose. Donc tant mieux, je suis content pour lui. On a croisé Manu Koné qui est venu, il y a Ibrahima Konaté qui a parlé chez nous. TF1, il a dit à la mi-temps, c'est un peu secoué. La première période, elle a été décevante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Pas toute vestiaire? la première mi-temps, mais il y a eu 25 premières minutes où très laborieuses, même si c'était pas faute de les avoir prévenus et de s'être parlé entre eux aussi les joueurs sur le fait que ça les secouait. Et ça a été le cas, mais on était un peu sur la pointe des pieds et puis on a fait des pertes de balles. Voilà, on n'a pas existé. Après, on a été mieux quand même. Dès qu'on a pu jouer un peu plus simple et vers l'avant, ça a été plus compliqué pour eux. Donc c'est oui, secoué par rapport C'est à ce vous un que peu Didier, vous avez. ça m'arrive. Oui, non, mais je dors pas. Hein, donc Non, je sais après, que vous dormez. Oui. c'est facile de dire. Mais je reste factuel. Je peux monter un peu le ton sans non plus tétaniser, parce que c'est un groupe qui n'a pas une grande expérience non plus, et venir ici avec voilà ce qui s'est passé les derniers matchs contre eux. Donc j'enlèverai pas le mérite à l'équipe d'avoir mieux maîtrisé en deuxième mi-temps, réajuster un petit peu aussi sur la largeur, et puis dès que on a réussi, et beaucoup mieux, notamment à la récupération, à sortir de cette densité, à jouer vers l'avant, on leur a fait mal. On a eu beaucoup d'occasions, de situations. Bon, après, à 10, on s'est serré les coudes et c'est très bien. Ce groupe-là, depuis le début de la semaine, dégage beaucoup d'enthousiasme et d'application aussi. Mais forcément, il y aura des passages comme ça, et en match comme ça va servir. Il y aura des choses à corriger, mais je ne veux jamais enlever le mérite à l'équipe qui gagne. Et Didier, par rapport au choix de départ, la position de Matteo, on l'a vu très haut, même s'il avait la liberté, pourquoi l'avoir mis dans ce registre-là, Matteo? C'est par rapport à cette équipe de Belgique, pour être plus en contrôle du milieu bas qui était Mangala. Il a plutôt bien fait, mais après on a eu un peu plus de mal sur la largeur. Donc après, en le repositionnant un peu plus axe gauche, parce que bon, à travers les offensifs extérieurs belges, et puis au milieu où il se déplaçait beaucoup, notamment de Ketteler qui était assez large, Tielemans aussi. Ça a permis de contrôler un peu plus ce milieu terrain sur la largeur. Merci Didier. Merci. Bon, encore une victoire des Bleus face à la Belgique, Manu. Vous aviez été très bon à Lyon, encore ce soir. C'est quoi votre clé pour battre la Belgique? Bah, je vais pas dire qu'il y a une clé spéciale. Nous, on prend match par match. Voilà, on sait que c'est un match spécial qu'on joue contre la Belgique. Donc voilà, on voulait continuer sur notre lancée de victoire contre eux. Et voilà, aujourd'hui c'était un peu compliqué. Donc voilà, le plus important c'est d'avoir les 3 points, et on est fiers, on est content, on est venu ici. On savait que ça allait être compliqué avec une très belle équipe de la Belgique, donc on a joué sereinement et on a gagné. Expliquez-nous un peu cette différence. En première, ça a été compliqué, honnêtement, pour les Bleus. Il y a eu des difficultés à sortir le ballon. Qu'est-ce qui a changé selon vous en seconde? C'est vrai qu'on n'a pas fait une très bonne entame de match. C'était un peu compliqué, voilà, peut-être que l'atmosphère ou je sais pas. Mais voilà, après on a su rebondir. Les 20 premières minutes ont été compliquées, mais je pense qu'en deuxième mi-temps on a su rebondir. Le coach nous a un peu remonté le moral. Il nous a dit qu'on a fait des très bonnes choses. Donc de continuer sur ça, d'être très bon sur les seconds ballons. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait de bien. Et après qu'on avait la balle offensivement dans leur zone, on faisait ce qu'on savait faire. Donc je pense que ça nous a souri avec les 2 buts de Randall. Donc on est content. À titre personnel, comment vous êtes senti, Manu? C'est la deuxième fois que vous étiez titulaire en équipe de France?
Ah, franchement, moi je me sens très bien. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de pression. En vrai, pour moi, ça reste un match de foot, comme j'ai dit la dernière fois. Après, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que la première mi-temps était un peu compliquée, un peu pour tout le monde. Donc voilà, fallait un peu sortir la tête de l'eau pour essayer de remonter le moral. Donc je pense que j'essaie d'apporter mes qualités, que ça soit technique, physique, et c'est tout. Hein. Après, voilà, on a gagné, je suis très content. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc on espère pour le prochain match contre l'Italie et l'Israël, ça. Exactement. On Voilà, espère que bon. vous serez là, Manu. J'espère aussi. J'espère aussi. Allez, bonne soirée. Merci. Bon, Loïs, encore une défaite face à l'équipe de France. Est-ce qu'il y a quelque chose de psychologique ou non? Parce que là, il y a le pénalty. On a l'impression que quoi que vous tentiez, il y a toujours cette barrière un peu. Non, non, bon, c'est sûr qu'on est un peu déçu avec le score aujourd'hui, malgré ce qu'on a proposé. On a eu un penalty, on a pas marqué, ça arrive. Maintenant, on s'est créé pas mal d'occasions, on a essayé, il n'y a pas tout qui est rentré. Maintenant, il faut avancer, il faut pas s'arrêter sur ce match-ci. On a encore deux prochains matchs. Et forcément, si on a aussi prochainement des autres matchs contre la France, on les aura différemment ou même pareil pour essayer de gagner. C'est comme ça, c'est le foot. Comment vous vivez ce climat un peu hostile qu'il y a autour de la sélection? On a entendu les supporters voilà, réclamer la démission du coach. Comment on le vit en interne? Non, 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 nous on n'est pas du tout, on n'est pas du tout comme ça. Nous on est content de ce qu'on a et de ce qu'on fait avec l'équipe nationale. Malheureusement, c'est sûr que ce n'est pas facile avec les résultats, mais c'est à nous de faire la différence sur le terrain. C'est nous, on est sur le terrain, c'est nous, on doit montrer de ce qu'on est capable et ce que le coach nous demande. Donc voilà, il n'y a pas quelque chose de négatif interne avec ce qui se passe avec le coach. Nous, on est tous solidaires, on est tous soudés, on a envie d'avancer tous ensemble forcément. Vous connaissez bien la France, vous nous manquez dans le championnat, même si vous réussissez bien en Allemagne. Il y a beaucoup de débats en France sur le niveau de l'équipe de France. Vous, en tant qu'adversaire, comment vous la jugez, comment vous la trouvez cette équipe? Non, c'est une très 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 forte équipe, défense vraiment très forte. C'est sûr que j'ai pas eu facile ces deux matchs. Un milieu de terrain qui est aussi costaud, l'attaque très forte vraiment. C'est une équipe qui est pas facile à jouer défensivement. Même à 10, on l'a vu, on avait quand même l'impression qu'on était toujours à 11 contre 11. Donc c'est une équipe qui est forte, qui voilà, qui est performante et c'est ça. Merci beaucoup, Louis. Bonne soirée. Merci.